Ça a l'air mieux là avec le casque. Ouais, c'était. Bah, ça c'est. Ouais, je vais enlever ça. Je vais enlever. Ça doit être le micro du PC qui. Pourquoi la dernière fois il me faisait pas ça? Là, il me le fait parce que bon, c'est le truc du PC quoi. Bon, en tout cas, j'en étais où? Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une ROM hack de A Link to the Past, mais qui reprend l'univers de Conker. Alors, c'est des gens qui sont spécialistes des ROM hack de A Link to the Past qui l'ont fait. Et ils voulaient faire la suite de une de leurs ROM hack, et petit à petit. Ouais, c'est un casque USB. Et petit à petit, ils se sont dit, non, tiens, on va faire plutôt une suite de Conker, une fausse suite de Conker. Et donc j'ai fait croire 5 ou 6 palais avec Conker. On a une histoire un petit peu bizarre à la Conker. Là je suis Néo et quand je vais aller prendre le téléporteur je serai Conker. Il y a une à mon référence comme si vous avez joué sur 64 au premier Conker. J'ai croisé plein de personnages comme Docteur Who, j'ai croisé Homer Simpson et Bart Simpson. Enfin, on les a pas vus parce qu'ils étaient derrière leur porte. On croise leur maison. Et voilà, je suis Conker. Et est-ce que ça a bien sauvegardé? Ouais, ça, c'est le dernier objet que j'ai récupéré. Alors, j'ai la queue x2, mais je. Ouais. Là, c'est pas là. Là, c'était Docteur Who. Tiens, c'est marrant, j'entends pas. J'entends pas le son dans mon casque, j'entends dans le. Je sais pas si vous entendez le son du jeu, vous. C'est le son de mon PC et pas. Ça a pas pris le casque. Non, c'est pas là, ça c'est le 11. Ça, le 7. Ah bah du coup je peux faire comme ça. C'est pas plus mal. Je sais pas si vous allez m'entendre comme ça. Parce que le micro il est là. Il a pas l'air beaucoup plus loin que si je mets le truc sur les oreilles. Et puis il y a plein d'ennemis, hein. Là on a des espèces de mascasses mélangées avec les fantômes de Link to the Past. Et puis j'ai croisé des petits bonhommes de Megaman. Mais donc on a. On a la jouabilité d'un A Link to the Past avec des. Ouais, bon, en fait, c'est pas plus mal comme ça. Moi qui voulais m'acheter un micro sur pied, si ça se trouve, je vais faire comme ça. Hein. Ok, un téléporteur. Oh, je suis bien dans le 7 là, parce que je vais pas vérifier. Il me semble que c'est le 7 ça. Level 7, ouais. Généralement, tuer tous les ennemis, c'est pas mal. Ah, non, ça c'était nul, ça. Ça va, c'était pas loin. Voilà. Ça, j'ai bien compris dans le jeu. Ah ouais, mais par contre, ça a activé un truc, mais je ne sais pas où. Si, peut-être là. Ah, mais je peux pas y aller pour l'instant. À moins que je puisse agripper quelque chose. Ah, il est là-bas. Une clé. Non, 50$. Ouais, c'était optionnel ça. Ah, mais par contre, ça, c'est pas. Ça l'est pas ça. Oh! Je m'y attendais pas à eux. Je sens que ça va être la galère ce palais. Oh, ça va. Je pensais que.
Ah aussi, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est allumer les bougies, j'aurais dû. Ouais, pour l'instant. Ah, dis donc. Ah, vous êtes pas fort, mais vous, c'est le nombre. Ah oui, je voulais visiter aussi le village avant de faire un autre palais. Bah, c'est pas grave, je suis entré dans le palais maintenant. J'ai aucune idée d'où je suis en train d'aller, hein. C'est une ROM hack, mais elle est pas inaccessible. Hein. Des fois, les ROM hack, c'est super dur. Genre Kaizo Mario, truc comme ça. Ou alors Link to the Past Parallel World, il est quasiment infaisable. C'est vraiment accessible hein, comme ROM hack. C'est marrant parce que des fois, on n'a pas l'impression de jouer à Link to the Past. Parfois, si. Parfois, c'est vraiment des logiques de Link to the Past. Et parfois, on est vraiment dans un Conker, quoi. Est-ce que j'en ai une? Ah ouais, j'en ai encore une. Donc ça, c'est le grand coffre, mais j'y ai pas encore accès. Alors maintenant, je commence à avoir beaucoup d'objets, c'est un peu plus chiant de naviguer comme ça. Ils ont fait un système avec les gâchettes pour pouvoir sélectionner rapidement les objets. Quand on n'avait pas beaucoup d'objets, ça allait, ça, on naviguait facilement, mais là, je commence à galérer à... Mon avis, je vais récupérer un truc. Ou alors peut-être ça. Surtout, c'est quand même un jeu qui demande pas mal de naviguer entre les objets. Faut que je les tue. Je vais les tuer. À mon avis, s'il y en a plein. Voilà. Ah, ça c'est un fragment de cœur, c'est équivalent du fragment de cœur. Ah, c'était même un cœur complet. J'ai pas vu, ça m'a ajouté un... Comment il s'appelle ce palais? Ah oh, bah j'ai encore tué... Le jardin d'Éden. On va se battre contre Adam et Ève à la fin? Bon, il serait fichu de le faire. Hein. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est le GPS, à chaque fois que j'entrerai une salle, s'il y a un coffre dans la salle, j'entendrai un petit son. Comme ça, si je vois pas de coffre mais que je vois plein d'ennemis, je saurai qu'il faut que je tue les ennemis. Ou ces genres de trucs, je saurai qu'il faut que je les allume. Par exemple là, il y a un coffre quelque part. Oh. Ah mais... Il est agaçant, monsieur. C'est quoi, c'est des espèces de Dracula? C'est, je sais pas si c'est une référence à Harry Potter ou si c'est un Dracula qui est random. Non, je pense pas que ce soit des Harry Potter. C'est la ROM A qui est sortie en 2016, donc les références sont quand même assez encore récentes. Mais ils sont combien ces machins-là? Est-ce qu'il faudrait que je tue les trois d'un coup? Écoutez, moi j'ai une solution pour ça. Ah non, ça n'a pas marché. Ils étaient peut-être pas encore apparus les autres. Oh mince! Mince. Ah, il me reste toujours un... qui peut bien être ce coffre. Qu'est-ce que c'est que ce mail? Pourquoi j'ai un mail?
C'est de la pub, c'est du spam. Je ne désire pas partir pour deux à dans un voyage de rêve. Être gentil, mais. Quand je suis en train de gaspiller tout mon mana, là. Bon, c'est pas trop grave parce qu'il remonte en fonction du nombre de pas qu'on fait. Ou du temps, je sais pas c'est quoi qui le fait remonter. Bon, c'est pas grave, je reviendrai plus tard là parce que si ça se trouve, j'ai pas l'objet qu'il me faut pour. Ok, là j'y suis déjà allé. Faut que je prenne le téléporteur peut-être. Oui, bah je sais, mais. Ah bah là, j'ai pas allé, je suis pas allé en face. Pouvoir y aller avec la plume. Voilà. Bah voilà, c'était juste ça. Oh! D'accord. J'ai une nouvelle place dans ma ceinture, donc je peux traverser, je peux transporter une autre fée. Oups. Oui, c'est pas la peine de m'enlever 3 pour la PV après. Pardon. A plus, Dolce Vita. Un petit peu paumé là. Non mais si, j'ai pas d'autres alternatives. Bah oui, je suis pas allé. Si je suis allé, mais. Ok, là il y a un coffre quelque part. Ah bah oui, bah c'est le grand coffre. J'ai pas pris celle-là, ça m'emmène où ça? Si j'ai fait ça. Ça m'emmène là, ok. Ok, à mon avis, il faut que. D'accord. Il y en a un autre là? Non, il n'y en a pas là. Oh, j'ai eu de la chance. Maintenant, il s'agit de retrouver où est le coffre que je viens de faire apparaître. Il n'est pas là. Ça serait peut-être. Ouais, bah, c'est pas un mal. Oh, cool! Bah dis donc, j'ai déjà récupéré.
Là, je suis en train de faire le tour. Ah bah, impeccable ça. Ah mince! Aïe aïe aïe! Le marteau de Thor, j'ai volé le marteau de Thor! Mais de quoi tu parles? Tu crois que c'est quoi? Ah, pipolilogisme. Ouais, c'est du slang. Marteau de Thor, où est-il? Il est là. Ouais, c'est pas... D'accord, c'est déjà le... Je suis la terreur qui est dans la nuit les plus sombres. Sais pas si c'est une référence, ça. Mothwing Mode. Non. Oh. La technique du côté a l'air de pas d'être pas mal. Bah ça va. Eh bah il était pas dur ce palais là. Hein. Du coup, où est la sortie? Ouais bah je... Je crois que c'est le palais le plus court ça. Même le premier était plus long. Bon, on va pas s'en plaindre. Hein. J'ai vraiment envie de retourner dans le village, voir s'il y avait d'autres trucs. Je sens que des fois, quand... Si on revient plus tard, ça débloque des trucs ou un truc comme ça. Déjà, je sais pas comment on va en haut. Tiens, je vais retourner là pour voir. Ça, c'est la maison des Simpsons. Ouais, c'est le même dialogue. Ah oui, il est où l'empire de la drogue de Tingle? Ah, c'est quoi ça? La poudre de fée.
Ah d'accord, c'était ça là. C'était à ça que servait la disquette, il me l'a enlevé. Ouais. Est-ce que je peux? Waouh. Je savais que c'était pas des chats. C'est des suppôts de Satan, je l'avais dit dès le début. Est-ce que le bar de striptease est ouvert maintenant? Mais non, il est même pas ouvert. Bon bah on va aller au palais 8 hein. C'est pas non plus je suis au palais 8 et il y en a 11. Rien parce que j'ai regardé le temps qu'avaient mis d'autres gens pour le faire, ils avaient mis quasiment 20 heures. Ah j'ai pas mis 20 heures là. Bon, je suis qu'au palais 8 hein, ça se trouve il y aura des palais beaucoup plus compliqués que celui qu'on vient de faire. D'ailleurs, par où il est le palais 8? Il est tout en bas. En bas, là, il faut que j'aille à droite, ensuite en bas. Bah, à droite. Et encore en bas. Ah bah c'est celui-là le palais 8 parce que je pouvais pas y accéder. Peut-être l'autre, il y en a un autre. Toujours un truc démoniaque, là je sais pas comment. Peut-être ça. Non. Ah! Oh! C'est Mario! Non, c'est Luigi! Qui ose déranger? On les avait déjà vus, Mario et Luigi. Quoi, y'a un problème avec ça? Enfin, il demandait qui c'est qui est le révélateur. Oh tiens, un écureuil! Eh, comment qu'il y a un problème? Suivant les puissances en place, les écureuils. As many ways I think I... Ah! Cool, j'ai autant de vœux que je souhaite! Pas si vite! C'est une vie simple, oui. C'est une règle de vie simple. Ça veut pas dire que je... Ah. D'accord, faut que je lui apporte de la poudre de meilleure qualité. Et il me m'accordera mon vœu. Ah cool. Est-ce que je peux le réactiver? Non. Et ça, est-ce que c'est le palais 8? 8, la Clock Tower. Ça a l'air d'être du Castlevania, ça. Hein. Ah bah bref, voilà. J'avais pas les marteaux de Thor. Oula. Je voulais aller voir par là, mais visiblement, il n'y a pas grand-chose. Donc effectivement, si j'avais pas le marteau de Thor, j'aurais pas pu passer. Ah, c'est pas un jeu où la logique c'est tu récupères un objet et tu peux battre le boss du donjon. C'était un peu ça, Link to the Past. Là, c'est plutôt tu récupères le trésor du précédent donjon, ça te permet d'ouvrir le donjon suivant. Là, l'objet que je vais récupérer va sûrement m'aider à entrer dans le donjon neuf. Là, je suis sûr que si je vais dans le donjon 9, il y a quelque chose qui m'empêchera de passer. Bah, je vais sûrement récupérer la canne de Somaria à un moment. Hein. Parce que j'ai plein de...
Et c'est vraiment pas très troll ce jeu, parce que je sais pas si vous avez vu, quand je tombe, ça m'a pas enlevé de vie. Là, il faut une clé. Ça m'a l'air loin, ça. Ah, ok, là je peux. Failli tomber. Ça, c'est bon, j'ai récupéré l'objet qu'il faut. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais j'ai déclenché l'attaque. Ah, bah. Ah, tout à l'heure, j'ai pas récupéré la carte. En même temps, j'avais pas vraiment besoin de la carte tout à l'heure. Ah, il a l'air plus grand ce donjon quand même que le précédent. Ok, le boss en fait il est juste. Il est à l'entrée quoi. Enfin, il y a une salle à aller à gauche là. À droite même plutôt. Parce qu'il y avait un palais où la carte était inversée, mais c'était qu'un seul palais. Maintenant ça c'est revenu normal. Oh. D'accord. Il faut que je le tue, lui. Écoute, j'ai doublé mon mana, hein. Non, j'aurais pensé que ça activerait quelque chose en tuant tout le monde, mais ça n'a pas l'air d'être la logique de cette salle. C'est bien en visite, hein. Bon, alors là, ça va être lequel? Moi, je parie que ça va être le dernier que je vais pousser qui va être bon. Ah bah c'est aucun. J'ai tout fait là. Il y a une salle que j'ai pas faite? Comment je suis allé? Non, c'est pas du tout l'entrée là-bas. Ah bah si, là, d'accord. Oui, je me rappelais plus de cette salle. Ah, par contre, je peux pas aller à droite parce qu'il me faut une clé. J'ai même pas regardé, mais non, elle est connectée à aucune salle, celle du bas. Ah mince. Ok, une énigme. Nous avons une énigme. Une énigme. Mince, je suis en train de regarder. Non. Faut pas que je déplace le rocher dans le sens qu'ils ont demandé, quoi.
Mais non, je peux même pas. Celui-là il est en coin, je peux pas le... Ok, donc on passe d'un... Quand vous savez pas ce qu'il faut faire, résolvez ça avec de la dynamite. Voilà. Ah mince. Et pourquoi la manette réagit plus? Eh oh. Pourquoi ça s'est désactivé ça? Ben si, c'est contrôlé, contrôleur. Eh. Contrôleur 1 était retiré, mais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Voilà. Pourquoi... Eh bien... Alors là, je vois pas, là. Là, je ne vois pas... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais arrête de dire que je le contrôle pas. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est l'USB là qui... Allez! Voilà. Donc la manette qui se débranche toute seule maintenant. Ça, je suis sûr que ça va être un truc utile dans le jeu.
Est-ce que j'ai pas récupéré un objet au dehors ou... Je suis en train de perdre toutes mes vies. Peut-être là, il y a peut-être un secret en fait là. C'est quoi cette salle? Bah, d'accord. Ah mince. Bon, c'est pas grave. J'ai été fait. Je sens que j'ai mongolisé sur la salle alors qu'il y avait, y en a d'autres à visiter quoi. Déjà, est-ce que je devrais pas le tuer, lui? Par exemple. Dites-moi pas que ça a ouvert en haut, là. Non, c'est pas ça que ça a ouvert. Mais bon, ça a ouvert quelque chose. Ouais, je dis que c'est par là qu'il faut passer. Non, mais non, mais c'est... Faut que je passe par le bas. Ouais, d'accord, je suis d'accord, mais... Et oh. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ok, ça j'ai une clé pour la porte qui est là-bas. Ah, d'accord. Comme quoi, mongoliser sur un détail, hein, c'est... J'essaye d'affaire n'importe quoi. Oh bah en plus ça m'en remet. Je tente des trucs, c'est n'importe quoi. Ah mais non, mais c'est chiant ça. Faut vraiment être pile. Mais pourquoi? Bon, ça va, ça retire pas de vie ça. Ils se sont dit, non, nos trous sont un peu trop sévères. Mais arrête de tomber tout seul! Tout à l'heure, je l'ai refait. Mais pourquoi il tombe là? Tout à l'heure, il tombait pas. Bah là il tombait pas mais il a pas voulu... J'ai appuyé pourtant, la faute de la manette. Oh non, il remonte là-bas. Je vais faire un truc si j'arrive à passer. Peut-être faut plus être sur le bas comme ça. Mais... Fais-le ton saut là.
Bah, j'ai même pas fait exprès. Voilà, au moins. Oh. De toute façon, j'ai pas la carte magnétique, alors ça sert à rien de. Voilà, j'ai pas su, je suis passé impeccable là. Faut que je trouve le truc pour oh. Bon, ça, heureusement que j'ai vérifié. Non, 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 je voulais pas la prendre. Je suis trompé de bouton. On m'a donné pas mal de... D'accord. Ça, c'est logique. Non mais j'ai pas la carte magnétique encore. Et c'est bon, ça passe là. Oh non, mais ça me remet là. Ah ben non, mais si je faisais ça au grappin, ça serait plus... Non, faut le premier, j'ai pas, je peux pas l'accéder au grappin. Voilà, c'est déjà mieux. Oh mince. C'était juste. Ok. Ah d'accord. Oh. Non, pas d'accord. Ah, ce sont ces ennemis-là, d'accord. Ça va être chaud. Je crois que j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais ça va être très très chaud. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. Je viens de faire un truc chiant à faire là, je... Ah mais... évident de voir exactement où faut... Ouais, mais je vais trop loin là. Je suis tellement surpris de d'être sur le bon axe. Mais non, mais tout à l'heure ça passait ça. Je vais le faire comme ça parce que...
Non. Oh, ça va être juste là. Ah bah effet en plus. Reste activée celle-là, oui, j'ai pas la. Ouf, là j'ai failli tomber. Il m'a fait presque un damage boost là. Si je me prends pas de. J'étais bien là. J'avais réussi à activer les deux facilement. En même temps, si je le tuais, lui, il me poserait moins de problèmes. C'est bon. Ouf. Ah bah très bien ça. Tout s'enchaîne très bien. Ah bah d'accord, il y avait. Non, ça. Ils m'ont donné pas mal de Pikachu aussi. Ils sont quand même sapins sur les fées et sur les vies, hein, ils en donnent beaucoup dans le jeu. Ah bah oui, c'est le trésor qu'il y a là. Qu'est-ce que ça va être que ce trésor? Allez, moi je parie sur la canne de Somaria. À un moment je vais l'avoir. Hein. On pourrait écouter. Ah d'accord. Je peux. Je peux soulever encore. Je me rappelle pas avoir. Ah, si, je me rappelle avoir vu un rocher. Parce qu'avant, je pouvais pas les soulever. Enfin, je pouvais soulever les rochers, mais je pouvais pas en soulever deux dans la même salle. Je devais sortir de la salle pour en soulever un autre. Là, apparemment, je peux marcher avec le rocher. À quoi ça va me servir? Enfin, je sais pas si c'est marcher qui avait écrit. Ouf, j'ai cru que ça passait pas. Tout va bien, tout va bien. Il est où ce rocher? Ouais, il est par là. Oh, je suis bête. Voilà, alors lui. Non, mais c'est. Mais c'est marrant, je vois pas à quoi il me sert le pouvoir là. Est-ce que je peux les soulever eux, maintenant? Ouais, mais. Non. Ah bah c'est cool ça. J'ai rien vu en chemin qui me barrait la route. Donne-moi des vies toi. Voilà, il suffit de demander. Ah d'accord, ça c'était fermé si je le tue pas. Je me mets dessus.
Bah mince alors. Je vais galérer 2 heures ici. Non, je voulais aller au milieu. Il y avait quelque chose à soulever là. Ah si, peut-être là-bas. Non, c'est connecté à rien ça. Bon, je vais aller voir quand même, mais... C'est bizarre qu'il y ait un chemin si c'est connecté à rien. Non, bah il y a rien ici, hein. Ah, j'ai pas compris ce que... Je m'attendais pas à cet objet-là. Ça aussi, c'est chiant. Pourquoi je fais ça? De toute façon, j'ai pas besoin. Comme ça, ça passe. Ici, là, ça passe. En fait, il suffit d'avancer, ça passe. Sur la droite, là, j'ai une salle que j'ai pas faite. Ah oui, effectivement, je peux aller là. Enfin, si, je crois. Non, j'ai pas dû y aller là, j'arrive. Ouais, voilà. Et oui, effectivement, avant, je pouvais pas. En... Je vais le tuer. Je sens que il y a des. Ah, il veut pas mourir. Oh, c'est bien joué ça. Et là, je vais tomber comme une merde. Oh, c'est loin, ça. Ah, peut-être ici. Un costume de Stormtrooper. Je vais pouvoir aller, d'accord, dans l'espace et me parer d'ici. Salut, Médicis. Je viens de récupérer un casque de Stormtroopers. Si ça, oups, bah non, là ça passe pas là. Ah, c'est chaud. Ça se trouve en hard, on perdait des vies quand on tombait. Ouais, salut Pilou Crapou. Non mais il est vraiment cool, cet ROM hack est vraiment cool. Par contre là je vois pas par où je vais pouvoir passer. Mais comme je le dis souvent, c'est une ROM hack. Alors des fois les ROM hack, genre Kaizo Mario, c'est vraiment fou, c'est vraiment trop dur quoi. Faut vraiment être expert du jeu. Mais là c'est vraiment accessible, hein. C'est vraiment un autre jeu presque. Des fois on sent, je sens que je joue à Link to the Past. Parfois j'ai pas l'impression de jouer à Link to the Past. La carte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Je peux aller dans l'espace, ça veut aussi dire ça? Ah non, mais faut peut-être que je l'équipe. Non, non, je peux pas l'équiper, il est là. Faudrait que tu le fasses, Pilou, si jamais t'as pas d'idée de jeu. Parce que t'as pas encore. Pour choisir le niveau, là je suis dans le palais 8, pour choisir les différents mondes, c'est dans le château de Mario 64. Oh mince, c'est pour ça que je voulais faire. Bah après tout. Est-ce que si je le tue comme ça? Non, mais il est immortel lui. Et franchement, il est pas dur. Enfin, il est pas dur, il y a des énigmes quoi, mais c'est. J'ai fait sans soluce pour l'instant. J'ai juste fait un reset. Ah mince. J'ai juste fait un reset parce qu'au départ, il y a une pancarte où c'est que tu choisis entre deux solutions. Je savais pas ce que ça voulait dire, j'ai pris au hasard. Et en fait, j'avais pris le mode difficile. Merci pour le host. J'avais pris le mode difficile et je fais oh là là, c'est dur les boss et tout, il leur faut 50 coups. Bah, elle est où ma. J'ai plus. Ah si. Mais non, mais c'est pas là, c'est. Mais il me gêne, lui. Ça, j'ai jamais récupéré l'arc. Ah, d'accord. Je peux passer par là. Je peux passer par là-haut. Si j'active les trucs, c'est ça? Ah non, mais j'étais dessus là. Ça, c'est pour l'instant, c'est le palais le plus dur que j'ai fait, hein. Le palais précédent, il était super simple. Je crois que je l'ai fait en une demi-heure. Même pas. Et c'est vrai que le palais qui est juste après, il rigole pas, hein. Allez, éteignez-vous. Oh, mais ça passe pas! J'ai le temps pourtant de les. Ouais, j'ai activé le premier trop tôt, je crois. Non, le smartphone, c'est un objet qu'on récupère. Ça a été fait pour être joué sur. J'avais vu que j'étais trop. Sur émulateur Super NES, quoi. Et donc, ouais, on récupère un smartphone au début du jeu pour. Qui fait office d'interface quoi. Ah mais il s'est mis devant. Allez casse-toi. Ah bah là il s'est mis devant l'autre maintenant. Ah c'est quoi ça? Ouais ça essaie de fonctionner, c'est la première fois qu'il me fait ça. Ah j'ai pas sauvegardé. Oh non, pourquoi il a cessé de fonctionner? Oh, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. L'émulateur qui a cessé de fonctionner, ça stream encore, là? Bon. En plus, je fais pas de save state parce que le jeu est accessible, quoi. Je vais être obligé de refaire le donjon précédent. Je sais pas si ça sauvegarde automatiquement. Déjà, vous pouvez voir la cinématique d'introduction. Tingle, c'est un vendeur de drogue. En haut à droite, c'est la maison de Homer et Bart Simpson. Comme ça, vous allez voir un petit peu plus du jeu. C'est SNES fixe. C'est la première fois qu'il crache. Je l'avais jamais vu cracher cet émulateur. Bah, en fait, ils expliquent qu'après Conquer 1, il est devenu le roi, mais ça lui plaisait pas trop. Enfin, ils s'embêtaient. Et puis, il y a toute une faille. Alors, ça, c'est Néo.
On interprète Neo et quand on se téléporte, eh bien on devient Conker. Et hop, je suis. Est-ce que mes objets. Ah non, j'ai pas le casque de Stormtrooper, ça a pas sauvegardé. Donc ça, c'est la porte du boss. Il demande, ouais, vas-y, ouvre-la tout de suite. Votre ami Piou Crapou vient de rejoindre la diffusion. T'es un petit peu en retard, Twitch, hein. Donc apparemment, le boss de fin, ça va être Bowser, mais pour l'instant, il est occupé. Avec une certaine Peach, qui arrête pas de lui donner des ordres. Ramène ton cul ici. Ah ouais, parce que j'ai fait. Bon, je vais refaire, je vais essayer de refaire. Il était vraiment pas dur le palais précédent, il était super court. Et maintenant que j'ai à peu près compris qu'est-ce qu'il fallait faire, je pense que je vais aller encore plus vite. Je dis ça, mais je crois que je me rappelle plus du chemin. Ouais, je crois qu'il faut que je tue tout le monde là. Oh bah, il faut que je fasse attention quand même. Ouais, ça a activé quelque chose. Ah non, j'ai pas regardé si... oui, la plume. Où est mon truc que je viens d'activer là? Je crois qu'il est en bas là. Ouais, il est là. Oh, c'était juste. Ah oui, mais c'était que 50$ ça. C'est pas grave. Ah ouais non, là faut pas que je tue tout le monde là. Y a pas d'objet si je tue tout le monde je crois là. Si ça. Ah ça voilà, c'est cool. Ça c'est le GPS en fait, ça. Quand j'entre dans une salle, si ça fait un bruit quand j'entre dans la salle, ça veut dire qu'il y a un coffre dans la salle. Donc soit faut que je fasse un interrupteur pour qu'il apparaisse. Là ça a fait un petit bruit. Et là je crois qu'il faut que je tue tout le monde. Ou alors c'est la salle au trésor ça? Ah bah oui non j'ai pas la carte. Ah bah c'est un... Ah ouais, un fragment... Un quart de... Enfin non, un cœur de entier. Oh bah sûrement que c'est pris... Il y a plein de références, hein, c'est Conker. Donc, et puis comme je l'ai dit, c'est sorti en 2016, donc les références sont encore assez récentes. Oh, il m'a aspiré toute ma magie. Eh, bah c'est tulé. Ouais, je voulais pas. Ah d'accord, là c'est que il me faut la grande clé, enfin la carte magnétique. Ouais, ça, ok, je vois ce qu'il faut faire, mais j'ai plus de mana.
Y a pas un endroit où je peux en récupérer? Ah non, c'est trop loin là. Moi du mana, toi. Non. Moi du mana. Ah, c'en est ça. Ouais. Est-ce que ça va être assez? Ouh, j'ai failli misclick ma manette. Oh, oh c'est pas plus mal. Parce que quand on tombe dans un trou, ça nous enlève pas de cœur. La carte magnétique. Donc là, je peux aller voir le trésor. C'est l'équivalent de la grande clé. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai tout. Marteau de Thor. En fait, c'est juste le marteau, hein. Faut que je retourne... Ouais, je sais plus où est le... Si, c'est par là, je crois. C'est pas là, d'ailleurs? Non, pas encore. Ah oui, j'avais récupéré... Ah, il y a eu un deleting, là. J'ai pas activé le coffre, ici. Parce que je me rappelle qu'il y avait... J'ai récupéré un... Vous allez voir. Allez, apparaissez. Ça qu'il fallait faire. Ah, il y en a encore deux. Ah oui, non, il... Oh, ben, je fais pas attention. Ah, mais non, c'est vrai, c'est là-bas, je crois. Voilà, ça, c'est cool. Ça, c'est équivalent du flacon. Je pourrais prendre une autre fée. Ah, bah, il y en avait une, là. Bah, de toute façon, le boss, l'avait réussi first try, tout à l'heure. Les boss sont repris sur A Link to the Past. Ils sont un peu plus durs. Mais quand on connaît la technique de A Link to the Past, on les fait facile, quoi. Là, faut juste que je retrouve où je dois aller, quoi. Bah, y a rien, là. Parce que j'ai tout là, faut que j'aille à la salle du boss, faut juste que je retrouve où est la salle du boss. Ah, faut peut-être que je prenne le téléporteur. Oh mince. J'ai du mal avec la plume. Voilà la preuve. C'est pas dur, hein, faut l'activer au bon moment. Mais... Ah bah non, là je suis... Et là il y a un coffre, j'ai pas pris ça, le coffre. À mon avis, c'est avec ça. Ah, oh, d'accord. Non, il n'y a rien qui est activé, là. Faut que je tue tout le monde, c'est ça? Ils sont chiants.
Ah ok, il y en avait un autre ici. Ah, j'ai pu avoir ça de mana. Eh oui. Est-ce qu'il est par là, le boss? Là, il n'y a pas de coffre. Mais non, là, je suis... Ah, mais je suis pas allé, là. Tiens, je suis pas allé, là. C'est pour me... Donc je peux en avoir assez encore. Ça prend pas mal de... Ah oui, puis en plus j'ai pas encore fait Luigi. Ah oui, c'est vrai que j'étais retourné au village aussi tout à l'heure. J'aurais dû y aller directement là. Pour ce palais, c'est bien utile d'avoir la double barre de magie. Ah bien ça. Bon, c'est pas grave. Hein. J'essaie d'aller au boss parce que je sais plus où il est. Ah, ça revient là. Il est où ce boss là? D'ailleurs, je l'ai trouvé facilement. D'ailleurs, je suis passé devant tout à l'heure. Ah, c'est peut-être ce téléporteur-là. Non, ça, non, je reviens ici. J'ai reçu un mail. Ah, bah d'accord. Oups. Ouais, je crois qu'il est là. Voilà. Tout à l'heure, je l'ai eu facilement.
Ok. Non, il est pas par là. Mais non, c'est pas par là. Bon, faut que je recommence ce palais de l'angoisse là. Je pense que je vais faire ce palais et je vais arrêter si j'arrive à aller à la fin. Faut que j'arrête de magnifiquer comme ça parce que. Ça, c'est la salle qui me sert à rien. Ça déclenche pas de. Là, doit être ouverte.
Pourquoi t'as mis du temps? Ah, c'est vrai qu'il y a un moment, il y en a une dans un pot, faut que j'y pense. Ouais, ça passe en fait. Je t'écoute d'abord, elle est par là. Ça, faut que je me dépêche. Là, il y a une clé. Je peux y accéder là? Non, j'ai pas encore le... Ah oui, c'est par là. Assuré, hein. Ça se fait avec avec la plume, mais bon. D'aller tuer directement l'autre. Oh non. Ça passe, ça passe, ça passe. Faut que je me dépêche un peu quand même. Tomber dans le trou. Ça va plus vite. Là par contre.
C'était juste. Est-ce que ça sauvegarde quand je fais ça? Là-bas. Non. Est-ce qu'il faut que je les tue? Ils ont pas l'air d'être tuables. Mais non, ceux-là, je peux pas les tuer. Ah, peut-être avec ça. Ok. C'est l'équivalent de l'arc, ça. Ah, ça ne... Ok. Tout s'éclaire, tout s'explique. Ok, ça je vais mettre 2 heures pour... Mais à chaque fois, là, il faut que je mette encore un petit peu plus bas. Ok. Ouais, mais là, je peux pas y aller pour l'instant. On est où sur la carte, là? Ouais, bah, il y a plus beaucoup de salles, hein. Ok, on me donne des bombes. Déplace bizarrement. Ah, c'est comme l'effet de la glace dans A Link to the Past, mais... Ok, ça, je pense que ça va me servir. Ah, il n'y a pas... Je sais pas combien j'en ai. Il y a un boss qui se tue... Ah, d'accord. Juste un œil ordinaire, ouais. Je sais plus si... Ah oui, il a pas de bouche, effectivement. On peut rien dire. Ah, ils ont mis des pics au fond. Non. Ok, c'est vraiment comme ça, je crois. Ouh. Mais elle lance les... Ouf, c'est pas passé loin ça. Ah mais retourne-toi. Ouh.
Enfin, je me rappelle que... Oh, j'ai plus que 37. Un autre moyen de les battre, ces œils. Saloperie de œils. L'épée ne marche pas. Oh, ça. Ok, comme ça marche. C'est d'ailleurs sûrement plus simple. Si je me fais pas. Mais je sais pas pourquoi des fois il veut pas. Ok, on peut pas. Ah mince. Ah, c'est la mort. Ah et puis je reprends. Ok. Ah bah je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je ferai le boss plus tard. Sauvegarder avec une save state et avec la pilule rouge. Donc merci d'avoir suivi. Je m'arrête là pour ce soir, je ferai le boss après parce qu'il n'est pas évident évident. À plus tard, on se retrouve pour la suite de Conquer Hyrule Tale.